Journée d'études sur la réalité de l'investissement touristique. Tel est le thème de la rencontre organisée par la Chambre du commerce et de l'industrie à Chenois. Fares Masdour, professeur d'économie à l'université de Blida, affirme que le développement du tourisme en Algérie devra passer inéluctablement par l'installation des khaymets, la consommation du thé, des dattes et l'art culinaire purement algérien, et non pas, selon lui, par la construction des hôtels luxueux, le commerce des boissons alcoolisées et de jolies créatures. Il faut qu'il y ait une prudence dans la volonté d'élargir notre tourisme, car le tourisme ne veut pas dire forcément celui de l'alcool et de la luxure, mais un tourisme traditionnel, historique, culturel, qui permettra à l'Algérie de devenir une destination prisée dans le monde. Par ailleurs, le responsable de la Bourse d'Alger présent à l'événement a réitéré sa volonté de contribuer à l'investissement touristique. Actuellement, la bourse peut être une alternative pour financer les entreprises. Notre présence aujourd'hui à la journée d'études sur l'investissement touristique souligne notre volonté de financer les porteurs de projets pour compléter le financement de la banque et l'autofinancement qui est répandu chez les privés algériens. Le tourisme dans la wilaya de Tipaza ne bénéficie pas d'un suivi rigoureux de la part des autorités du pays. Alors que les rencontres sur l'avenir du tourisme à Tipaza se suivent depuis des années, sans pour autant aboutir à des résultats positifs.